الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم الصلاة والسلام على رسول الله الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وآل محمد إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد الحمد لله. Avant tout propos, on tient à présenter les excuses aux uns et aux autres pour le retard accusé dans notre programme de ce matin. Et donc, comme vous le savez, aujourd'hui est un jour spécial. Aujourd'hui est un jour particulier. Aujourd'hui est un grand jour. Un grand jour pour qui? Pour nous autres qui sommes les fidèles partisans de la famille du noble messager Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Aujourd'hui, nous sommes vraiment à la croisée des chemins parce que nous sommes ici, en ce lieu-ci, pour la commémoration des Ashura, la commémoration du parti des Ibn Moussé et sa suite. Alhamdulillah, console s'il vous plaît. Donc, cette cérémonie-ci va s'articuler comme suit pour cette journée. Nous aurons dans un premier temps la lecture coranique qui nous sera dite tout à l'heure par le frère Mohamed Jarasouba. À sa suite, on aura une prestation de la Dmiyad qui sera faite par Diouf Oumar et sa troupe. Après Diouf Oumar et sa troupe, nous aurons Djabi Hassan pour les allocutions. Et à la suite de Djabi Hassan, ça va? À la suite de Djabi Hassan, à la suite de Djabi Hassan. Ok. Il sera prononcé par Cheikh Oumar Sawadogo. Et juste après la conférence d'échecs, nous aurons une prestation de sketch. Et suite au sketch, on va assister à une seconde phase de l'Atmiyat qui sort vraiment de l'ordinaire parce que c'est une prestation qui sera faite par Cheikh Oumar et ses élèves. Salut à la Mohamed, à Ali Mohamed. Ali Mohamed. Et juste après cette prestation d'échec, on va avoir la séance des remerciements et des ziyarats. Alors donc, sans plus tarder, nous allons demander au frère Mohamed Jarasouba de nous rejoindre au Pufut pour la lecture coranique. Salut à la Mohamed, à Ali Mohamed. On l'accompagne avec des salawats. بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحون بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم
فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم السوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين صدق الله العلي العظيم اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وحيدر الكرار Remercier les frères Mohamed Diarasouba pour cette brillante lecture. Cette lecture qui vient nous remémorer dans notre profonde douleur qui nous anime ces jours. Et cette douleur n'est autre que celle que nous partageons avec la sainte famille du noble messager Mohammed Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam suite à l'extermination, si on peut le dire ainsi, de sa sainte famille après lui. Et aujourd'hui est un jour de mémoire. Aujourd'hui, c'est le couronnement de ces 10 jours que nous avons passés en train de nous remémorer toute cette tragédie de fond en comble. Aujourd'hui, nous allons, sous les auspices de notre guide éclairé, Cheikh Oumar Sawadogo, nous apesantir à niveau sur certains points de cette tragédie qui a marqué toute l'humanité, à telle enseigne que d'est en ouest, du sud en nord, en passant par les tropiques, dans toutes les contrées du monde, vous serez surpris de voir qu'il y a des gens qui ont tiré des enseignements de ce martyr, de cette calamité qui a frappé la famille du noble prophète, à telle enseigne que vous allez voir qu'il y a des commémorations en Occident, en Asie, en Afrique, un peu partout dans le monde. C'est le sacrifice de l'imam Hussein qui peut faire cela. Il y a des gens qui ont changé de nature grâce à ces sacrifices. Et bon, Moussé nous a montré que par un tel sacrifice, on peut arriver à un summum du spiritualisme et de la perfection humaine. Et c'est ce pourquoi aujourd'hui nous sommes là. Nous allons poursuivre la cérémonie avec la prestation liturgique faite par le groupe de Oumar Diouf dans l'optique de nous requinquer un tant soit peu afin de nous replonger dans ces nuits sombres que les enfants de notre noble prophète ont vécu sous la barbarie de ces tyrans de l'époque, que la malédiction d'Allah soit sur eux. Salat ala Muhammad wa Ali Muhammad. Salut ala Muhammad wa Ali Muhammad. Wa Hussein.
chez l'autre. Les femmes sont actives, les femmes sont actives. Les fouets dans les dos, les fouets dans les dos. Oh Abba Abdillah, oh Abba Abdillah. Quel sera leur sort, quel sera leur sort.
محمد الله صل على محمد وآل محمد Merci beaucoup au frère Oumar Diouf et sa troupe pour cette belle prestation. Tout ceci, c'est en l'honneur de l'imam Hossein Ali. Salam. Salam à la Mohamed wa Ali Mohamed. La paix qu'il y a Hossein. La paix qu'il y a Hossein. Alhamdulillah, nous allons poursuivre avec le déroulé de notre programme. Après la prestation de Oumar Diouf, nous allons à présent amorcer la série des allocutions compte tenu du programme et des contraintes liées au temps. Nous allons nous résumer à une seule allocution. Et cette dernière vous sera dite par le frère Jabi Hassan, que je vous demande d'accompagner avec des salawats. Salawat ala Muhammad. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. اللهم صل على محمد وآل محمد الأوسائر الدين المرضيين بيض الصلواتك وبارك عليهم بيض البركاتك والسلام عليهم وعلى أرواحهم وعلى جسدهم ورحمة الله وبركاته اللهم صل على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليك يا أبا عبد الله السلام عليك يا أبا عبد الله السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح بكيت وبكي الليل والنهار ولا جعله الله آخر الحبيب مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى اللهم لعن ولا ظلم من ظلم حق محمد وآل محمد وآخرك بإذن له على ذلك اللهم إني الإصابة التي جاءت الحسين وشايات وبايات وكما تلقتني اللهم لعنهم جميعا اللهم لك الحمد حمد الشاكرين لك المصلين الحمد لله على عظيم رزيقتي اللهم ارزقني الشفاعة حسين يا ملكرود وثبت لي قدم صدق انك مع الحسين واصحاب الحسين الذين بذلوا امهاتهم دون الحسين عليه السلام انا لله وإنا إليه راجعون ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلوا على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد إمينانس نو شيخ ici présent Honorables invités, chers frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nous commémorons aujourd'hui le martyr du petit-fils du prophète Muhammad, Imam Hussein, salamatullahi wa salam alayhi majma'in. Imam Hussein a tout donné en sacrifice. Imam Hussein a donné tous ses compagnons. Imam Hussein qui a donné son cousin, Muslim bin Hakim. Imam Hussein qui a donné ses neveux, les enfants de son grand frère Imam Hassan, et les enfants de sa sœur,
Zainab al-Kubra. Imam Hussein qui a donné son petit frère Abu Fadl al-Abbas qui représentait sa colonne vertébrale. Imam Hussein qui a donné ses enfants, son premier fils Ali al-Akbar et son dernier fils Abdallah al-Razi. Imam Hussein qui a donné son sang, sa vie et son âme pour sauver l'islam. Chers invités, nous devons faire connaître le monde d'Imam Hussein ibn Ali. Le monde qui souffre de pression, de corruption, de malveillance et de vice doit connaître l'esprit et le sentiment de libération husseinien. Aujourd'hui, le cœur des gens à travers le monde et le cœur des jeunes et des nations innocentes battent pour une telle vérité. Si l'imam Hussein est introduit au monde, c'est en fait l'islam et le Coran qui ont été introduits. Chers invités, que ces assises à travers le monde soient comblées de la miséricorde de Dieu. Fasse Dieu que ces assises nous permettent d'avoir un monde de paix, d'harmonie et de justice. La paix qu'il y a au ciel. 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 La paix qu'il y a à Abba Abdullah. La paix qu'il y a à Abba Abdullah. La paix qu'il y a à Imam al-Mazloum. La paix qu'il y a à Imam al-Mazloum. La paix qu'il y a à Imam al-Gharib. La paix qu'il y a à Imam al-Gharib. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.